Il faut se souvenir qu'à l'époque, le village est très isolé des grands marchés. Alors, pour avoir des initiatives commerciales ou même des initiatives industrielles d'envergure, il faut qu'on ait un lien avec les marchés. Alors, c'est là où le chemin de fer devient un élément important. Et quand il arrive à Magog en 1877, ça incite des promoteurs locaux et même, dans certains cas, des promoteurs régionaux à se demander s'il n'y a pas un potentiel industriel ici, dans l'ancienne athlète qui est maintenant le village de Magog, pour des initiatives un peu plus importantes que ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Plus élevé que où est-ce qu'on est maintenant. Exactement. Donc, il y avait vraiment une colline derrière nous. C'est ça, qu'on appelait Mary Hill. Et il fallait creuser comme une tranchée pour permettre au chemin de fer qui s'est arrêté initialement en 1877, tout près de l'ancienne gare que les Magogois ont bien connue, là, disons située tout près du végétarien, et permettre à ce chemin de fer-là de se rendre jusqu'aux usines qui vont être construites entre 1882 et 1884. Mais au départ, le chemin de fer, il venait pas ici pour les usines. Non, effectivement. Le chemin de fer, écoutez, la province commence à se tapisser de chemin de fer graduellement. Magog n'est pas encore lié avant 1877, alors c'est un enjeu majeur. Je me souviens, dans les années 1980, on parlait du virage technologique. Hein, au Québec, on dit qu'il ne faut pas manquer le virage technologique. Alors, à cette époque-là, c'était le chemin de fer, le virage technologique. Si on n'avait pas de chemin de fer, on avait peu de chances de développer des initiatives d'envergure. Alors, à partir du moment où le chemin de fer arrive en 1877, ça incite des promoteurs à se dire, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rentabiliser ce chemin de fer-là? Mais est-ce qu'on ne pourrait pas produire des choses ici et profiter de la rivière Magog et de son potentiel hydraulique pour développer quelque chose, un produit que nous pourrions vendre à l'extérieur, puisque maintenant, nous avons un chemin de fer? Serge, tu racontais tout à l'heure que le chemin de fer arrêtait vis-à-vis à peu près où est-ce qu'on a le végétarien. Maintenant, il va beaucoup plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis qu'est-ce qui s'est passé avec le chemin de fer? Alors, il y avait eu des premières initiatives industrielles ici au cours du 19e siècle, notamment la première fabrique d'allumettes au Canada. Mais c'était des initiatives assez limitées quand même. Il n'y avait pas beaucoup d'employés. C'était pas des bâtiments très spacieux. Alors, quand le chemin de fer arrive, là, on voit grand. On veut vraiment une grande initiative et c'est comme ça qu'on décide de construire l'usine de textile, on devrait dire les usines de textile à l'origine. Donc, une imprimerie, un atelier d'impression qu'on appelait à l'époque, un endroit où on imprime le coton, et une filature, un endroit où on file le coton. Au début, on n'ouvrira pas la filature, mais on va ouvrir l'imprimerie. Surtout sur le plan géographique, ce qui nous intéresse, c'est qu'on décide de les construire dans un endroit de la ville qui était désert jusque-là, ce qu'on appelle couramment le bas de la ville graduellement, mais qui était le territoire qui est situé à l'est de la rue principale qui était occupée jusqu'à ce moment-là, donc où on connaît les usines de textile actuelles. Okay. La rivière, en tout cas, ce qu'on peut voir jusqu'au barrage, c'est un plan d'eau qui est assez égal. Mais pour qu'il y ait une dénivellation entre le haut et le bas de la ville, est-ce que la rivière fonctionnait à peu près de la même façon? C'est ça. C'est-à-dire que la rivière avait un dénivelé, on dit à l'époque, il y a des rapports d'ingénieurs qui avaient été publiés, parce que ça faisait longtemps qu'on pensait exploiter la rivière Magog pour son potentiel industriel. On dit que sur une distance d'à peu près 0,8 km, là, un demi-mille, disons, il y avait un dénivelé d'à peu près une trentaine de pieds.
Donc, il faut s'imaginer une rivière Magog qui ne ressemble absolument à rien à celle que l'on regarde aujourd'hui, donc des chutes. Et aussi, à certains endroits, un niveau de l'eau qui est quand même beaucoup, beaucoup moins élevé. Donc, on voyait les roches à certains endroits. Alors, quand on décide de construire le premier barrage, vraiment, il y avait eu des barrages naturels, si on veut, plutôt rudimentaires. Quand on décide de construire vraiment le premier barrage avec vocation industrielle, c'est ici qu'on le fait, en granit, des blocs de granit liés avec de la chaux. Et c'est entre 1882 et 1884 qu'on le fait. Donc, un petit peu après le chemin de fer et puis avant la construction des usines. Tout ça se fait à peu près en même temps, bien, ça fait partie d'un plan d'ensemble. Il faut absolument, quand on construit les usines, qu'on ait une alimentation en eau. Il faut se souvenir qu'à l'époque, un barrage, ce n'est pas un barrage hydroélectrique. L'hydroélectricité, c'est un concept qui n'est pas développé encore. C'est carrément un barrage hydraulique. C'est-à-dire que c'est la force de l'eau qui fait tourner les poulies, qui font tourner les courroies et fait fonctionner les machines. Alors ici, le barrage que l'on aperçoit ne produisait pas d'électricité comme tel. Il ne faisait qu'alimenter un canal qui passait entre les usines, la filature et l'atelier d'impression. Et à partir de cet endroit stratégique-là, il y avait de grandes roues qui actionnaient les courroies, les machines, et c'est le pouvoir de l'eau qui alimentait ces machines-là. Est-ce qu'on voit encore le canal qui avait entre les usines? Ou il... Non, malheureusement, il a été rempli dans les années 20. Ce qui s'est passé, c'est que l'hydroélectricité s'est rapidement imposée comme la source d'énergie la plus pratique, la plus fonctionnelle. Et nous sommes sur le bord d'une rivière qui nous permettait d'en produire considérablement. Alors, à un moment donné, on a carrément tourné l'usine vers l'hydroélectricité et le canal devenant inutile, on l'a rempli tranquillement. Aujourd'hui, il y a des bâtiments de l'usine sur l'emplacement de l'ancien canal, et à l'entrée du canal qui était situé là, on aperçoit à peu près les clôtures de l'autre côté. C'est ce qui nous reste de ce fameux canal-là. Quelques photographies et un cadre, une fresque qu'on avait fait en 1905 quand la Dominion Textile a été créée, sur laquelle on peut apercevoir très bien toutes ces caractéristiques-là de l'usine, ainsi que les passerelles que les employés de la filature devaient utiliser pour se rendre au travail parce qu'ils devaient surplomber le canal. Serge, tu parles de grandes constructions. Le village de Magog, à l'époque, il y avait combien de personnes? Écoute, quand on parle de l'expression de boom économique, là, on dit que dans le village, à l'époque, il y a à peu près 500 personnes autour de 1881. Quand les travaux du barrage se mettent en branle, quand les travaux de construction des usines se mettent en branle et quand la décision de prolonger le chemin de fer se met en branle, à peu près tout entre 82 et 84, on a probablement doublé de population à ce moment-là. Et surtout, on a doublé de population chez les hommes. Alors, ça devait faire pas mal d'activités. Ça devait être la fête, surtout que les employés, une fois la journée de travail terminée, devaient chercher à se distraire, les hommes étant les hommes et les choses qui ne changent pas. Magog était... John Peters, qui était un enfant à l'époque à Magog, parlait de Magog comme étant un « rip-roaring town ». C'est une ville en pleine effervescence, c'est un village, en fait, en pleine effervescence, et qui va devenir une ville éventuellement. Tu parles de John Peters, tu fais une citation en anglais. Beaucoup d'anglophones? Surtout. Essentiellement, à ce moment-là, beaucoup d'anglophones. Et parmi les gens qui viennent travailler à l'usine, parce qu'il faut se souvenir que nous sommes le premier endroit où on va imprimer le coton dans tout le Canada, dans tout le Dominion du Canada, comme on disait si souvent à l'époque, nous n'avons pas l'expertise ici au pays, soit pour la machinerie, soit pour faire fonctionner la machinerie. Alors, quand on crée les usines, il faut faire venir ces gens-là de l'endroit où il y a l'expertise. Et les endroits où il y a l'expertise, c'est essentiellement en Grande-Bretagne, un petit peu aussi aux États-Unis. Alors, parmi les gens qui arrivent ici en 84 à l'atelier d'impression, on a une répartition là, assez intéressante entre des Européens, un petit peu d'Américains et quand même un peu de Canadiens, Canadiens-Anglais et quelques Canadiens-Français. Mais c'est une belle diversité. Merci.
1884, une imprimerie, on imprime le coton. Exactement. Première canadienne ici à Magog. Et en fait, c'est l'originalité des usines de Magog. On peut présumer qu'il n'y aurait probablement jamais eu de textile à Magog s'il n'y avait pas eu d'abord l'imprimerie. On appelait à l'époque l'atelier d'impression, parce que c'est quand même plus modeste que ça l'est aujourd'hui. Et l'idée derrière ça, c'est qu'il y avait eu beaucoup de filatures qui avaient été créées au Québec dans la mouvance de la politique nationale des conservateurs de 1879. Entre autres, sans être trop technique, disons qu'on avait augmenté le tarif protectionniste pour protéger l'industrie canadienne. Alors, ça donnait l'occasion à plusieurs industriels canadiens de se dire pourquoi ne pas nous lancer dans une initiative. Nos concurrents ont ce problème-là avec lequel ils doivent composer. Alors, à Magog, on avait dit, bien, personne n'imprime ça du coton au Canada. Il y a un industriel de Quatico qui s'appelait William Hobbs qui avait déjà une filature. Il y avait M. Alvin Moore qui était bien connu dans la communauté magogoise. Il y a M. Charles Colby qui était le député fédéral du comté de Stanstead. Et c'était très important parce que si on voulait avoir un tarif protectionniste, il fallait avoir l'aide, évidemment, d'un député fédéral. Alors, il faut se souvenir qu'à l'époque, c'était bien vu qu'un député soit impliqué dans une initiative industrielle. Ça ne posait pas de problème. Alors, on s'est dit, pourquoi pas imprimer le coton? On ne l'a jamais fait nulle part ailleurs au Canada. Et c'est ce qu'on va faire en 1884, à l'été. On avait des gens quand même avant-gardistes qui regardaient vers l'avant pour penser à une chose comme ça. C'est-à-dire qu'on cherchait des façons de rentabiliser le chemin de fer, d'une part, puis d'autre part, on se disait qu'est-ce qu'on pourrait faire qui trancherait avec les autres. Et l'idée de lancer une filature, évidemment, elle existe, elle est dans l'air, parce qu'en 1884, on construit l'atelier d'impression et on construit également la filature. Sauf qu'à ce moment-là, du coton filé, il y en a déjà beaucoup. Alors, tout ce qu'on va faire, c'est garder le bâtiment sans l'équiper. Et on va seulement faire fonctionner l'imprimerie qui, elle, va transformer du coton qui est fait dans d'autres usines, celle de Quaticook, mais également d'autres usines de Montréal. Donc, on construit un bâtiment où est-ce qu'on va avoir l'imprimerie et un bâtiment où il va avoir la filature. C'est ça. Et la filature, elle va ouvrir en quelle année? 1888, quatre années plus tard. Il y avait deux petits bâtiments pour l'imprimerie, mais celui de la filature est beaucoup plus imposant, en fait. Celui qui est derrière moi en ce moment, qui date de 1888, c'est un bâtiment... J'imagine qu'il n'y avait pas cette allure-là. Non, évidemment. C'était la brique qu'on privilégiait à l'époque. C'est un bâtiment qui a à peu près 350 pieds de long. C'est quand même assez imposant. Et il faut se souvenir aussi, à l'époque, comme on disait, que c'est un quartier qui est relativement désert. Alors, on peut s'imaginer à quoi le chantier pouvait ressembler quand on érigeait ces monstres-là qui étaient, à l'époque, l'imprimerie et la filature. La rivière offre un potentiel extraordinaire pour l'exploitation. Ça, on l'avait identifié depuis plusieurs années. Mais sans chemin de fer, évidemment, c'était plus ou moins pratique. À partir du moment où le chemin de fer est là, là, on se dit comment est-ce qu'on pourrait exploiter ce potentiel-là hydraulique à l'époque. Encore une fois, on le précise, pas hydroélectrique. Et à partir du début des années 1880, il y a cette idée qui germe de dire pourquoi pas un endroit pour imprimer le coton. Et c'est ça qui est un petit peu le point de départ. Deuxième phénomène qu'on explique, mais qui n'est pas détaillé dans les données que nous avons, on parle de la grande pureté de l'eau de la rivière Magog à l'époque. Et on dit que ça se prêtait magnifiquement bien au blanchiment du coton, qui est la première étape avant de procéder à l'impression. On disait que l'eau de la rivière Magog était très pure, donc ça aurait probablement été un facteur additionnel. Donc, on a l'eau, on a l'hydro... Comment tu as dit? La force hydraulique. La force hydraulique. On bâtit des grands bâtiments, il n'y a pas nécessairement d'électricité pour éclairer. Qu'est-ce que ça pouvait avoir l'air, ces bâtiments-là? Parce qu'il fallait que les gens voient quelque chose quand ils travaillent, j'imagine. Au début, Magog arrive en plein milieu de la Révolution au niveau de l'éclairage. Il n'y a pas de problème pour éclairer les bâtiments. On utilise des petites ampoules Edison. D'ailleurs, il y a une publicité dans un bottin publié à Montréal à tous les ans où on nous dit « L'usine de Magog est éclairée grâce aux petites ampoules Edison. » On parle de 1884-1885. Par contre, pour faire fonctionner la machinerie, la technologie n'en est pas encore rendue à utiliser l'hydroélectricité comme force. C'est encore strictement la force hydraulique et on aurait évidemment aussi la vapeur à l'époque qui était très utilisée. Mais l'hydroélectricité, ça va venir un petit peu plus tard. Alors, il faut s'imaginer des bâtiments quand même assez où il y a beaucoup de courroies, beaucoup de poulies, beaucoup d'équipements. Les grandes roues, elles, sont isolées au centre entre les deux usines, mais tout ce système de poulies, de courroies, qui graduellement va devenir complètement désuet quand l'hydroélectricité va nous permettre d'avoir le fameux métier à tisser
mécanique. Et là, vraiment, là, on entre dans l'ère de production rapide qui va trancher carrément avec ce qui se faisait auparavant. On avait besoin d'ouvriers spécialisés. On est allé les chercher en Angleterre, on est allé les chercher aux États-Unis. Quelques-uns sont venus du Canada anglais. Absolument. Pour la filature, est-ce que c'est aussi spécialisé? Comment ça fonctionne? Quelle sorte d'ouvriers on a besoin? Comme à l'imprimerie, il y a des métiers spécialisés. Les gens qui installent notamment les métiers à tisser, les réparateurs de métiers à tisser sont également des employés spécialisés. Par contre, pour le reste, notamment les tisserands et même d'autres emplois connexes, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir une grande spécialisation, d'une part. D'autre part, on n'a pas besoin non plus d'une grande force physique. Et ça, c'est très important parce que ça va permettre à l'employeur, comme c'est le cas dans d'autres filatures de la province, d'engager notamment beaucoup, beaucoup de femmes et également, dans certains cas, d'engager des enfants qui sont capables de remplir certaines fonctions. Est-ce qu'il y a assez de monde à Magog à cette époque-là pour faire fonctionner une filature qui semble prendre de l'ampleur? Non, et c'est l'explosion démographique que connaît Magog à cette période-là s'explique directement et carrément par l'arrivée de la filature. Parce que dès qu'on la met en opération en 88... En 1888, elle va doubler rapidement la main-d'œuvre de l'imprimerie. On a besoin de davantage de gens pour travailler à la filature. Alors, comme tu le mentionnais tout à l'heure, on ne trouve pas ces gens-là à Magog. Alors, on va recruter. Et là, un petit peu partout, le mot va se répandre rapidement. Il y a de l'ouvrage à Magog. Alors, on va trouver des gens qui viennent des campagnes environnantes. Il y en a quand même beaucoup. On va trouver des gens qui viennent des villes aussi, qui vont se déplacer ici, des gens qui ne sont pas tellement loin du Saint-Laurent. Il y a un autre réservoir de main-d'œuvre qui est bien connu à Magog, qui est la Beauce. Il y a beaucoup de familles de la Beauce, des familles essentiellement rurales, qui cherchent leur premier emploi industriel. Des familles nombreuses qui ne peuvent plus se travailler sur la terre et qui cherchent des options. Pourquoi pas venir à Magog travailler dans le textile? Et c'est comme ça que même, à un moment donné, quand on va parler du quartier qui environne l'usine de textile, ou les usines de textile, on va en parler comme étant la petite Beauce, tellement il y a beaucoup de Beaucerons à Magog. Marc-André Cliche est un citoyen de Magog qui a travaillé toute sa vie à l'usine du textile. Il nous raconte comment sa famille a quitté la Beauce pour s'installer dans ce quartier où il habite encore. Mon père, il est arrivé à Magog il y a 15 ans, il est rentré à Destal. Ça vient de Saint-Victor de Beauce. Il restait au Roi-Lagarde. Parce que les autres, dans les églises, ils annonçaient. Si vous voulez travailler à Saint-Victor de Beauce partout, descendez à Magog, ils vont tous prendre la famille au complet. Fait que c'est comme ça que le bas de la ville, il passait. La petite Beauce, si tu veux. En bas de la rue Sherbrooke, là, le monde de la Beauce. Donc, il y a un quartier qui se développe ici, il y a des maisons qui se construisent, mais j'imagine qu'on ne va pas nécessairement dans le haut de la ville pour faire son épicerie. Non, c'est-à-dire que très rapidement, il se développe également une vocation commerciale sur la rue principale, mais dans ce qu'on appelait évidemment à l'époque le bas de la ville. Donc, à partir de la rue principale en haut, il y avait des commerces, mais quand on descendait ici, c'était la même chose. Il y avait beaucoup d'épiceries, entre autres, on peut penser à des gens comme Lazare Gingras, Théodore des Hôtels, il y avait une épicerie, il y avait M. Landreville, il y avait M. Pratt également, qui avait un magasin de meubles qui était très connu à une certaine époque. Mais il y avait vraiment un chapelet de commerce quand on descendait dans le bas de la ville, à peu près jusqu'à un cinéma qu'on appelait le Capitole, qui était très populaire à une certaine époque. On y montrait des films français, en français. C'était très populaire parce que le cinéma en haut de la ville, lui, c'était des films surtout en anglais. Alors, c'était également, ça correspondait aux exigences, on peut supposer, de la population du quartier, parce que dans le quartier ici, qui devient la paroisse Sainte-Marguerite en 1921, la population était très majoritairement catholique et évidemment francophone. On a des épiceries, on a des marchands de meubles. Salles de billard. On peut vivre à l'intérieur du quartier. Absolument. Sans nécessairement monter dans le haut de la ville. Absolument. C'était particulièrement vrai de la rue principale. Et c'était également vrai aussi sur la rue Saint-Patrice, à une certaine époque, où on retrouvait également beaucoup de commerces. Des gens qui vendaient des souliers, des gens qui vendaient, évidemment, il y avait une station-service. Alors, il y avait
toute l'ossature commerciale, il y en avait une pour les gens du quartier Sainte-Marguerite. On n'avait pas besoin de se déplacer beaucoup pour trouver ce qu'on voulait. C'était une fourmilière, c'était une véritable fourmilière. C'était l'entrée de la filature, quoiqu'à une certaine époque, à peu près tout le monde entrait par la barrière principale, qui était située en avant de la rue Saint-David. Il faut se souvenir aussi qu'à l'époque, on utilisait beaucoup d'expressions anglaises. Alors, les gens disaient « la main gate ». C'était l'endroit où les employés arrivaient le matin. Alors, on peut s'imaginer là, qu'à une certaine époque, il y a peut-être eu entre 2000 et 2500 employés répartis sur des quarts de travail, mais que le matin, avant la première entrée à 7 heures le matin, donc disons vers 6h20, 6h30 le matin, ça devait être absolument une fourmilière autour d'ici. C'est la rue Saint-David. Elle n'a pas toujours porté ce nom-là, la rue Saint-David. Non, on l'a appelée quand même assez brièvement la rue Central Vermont Railway, en l'honneur du chemin de fer. C'était le nom de la première entreprise de chemin de fer qu'on a eu à Magog. Et à une certaine époque, il y avait une raison évidemment à cela. C'est que le chemin de fer se rendait jusqu'ici aux usines et qu'il y avait comme une petite queue, si on veut, qui était sur la rue qu'on appelle aujourd'hui la rue Saint-David, qui servait au train à se retourner, entre autres. Là, on utilisait ça. Alors, il y avait des rails sur la rue Saint-David et j'ai même rencontré quelqu'un qui se souvient, quelqu'un qui était très âgé, qui est décédé aujourd'hui, qui se souvenait de l'époque où il y avait des rails. Il s'en souvenait très bien parce que lui habitait sur la rue Cartier et que sa blonde de l'époque habitait de l'autre côté. Alors, il dit, quand je voulais aller voir ma blonde, il fallait que je passe par dessus les rails. Mais c'était plus usuel. On ne se servait plus de ça pour le chemin de fer. Il s'agissait juste de le recouvrir et de l'asphalter pour qu'on s'en serve des automobiles. Il faut se souvenir qu'ici, dans le bas de la ville, il y avait pas beaucoup d'automobiles là, au début du 20e siècle. Ça a pris du temps. Les rues les plus anciennes du quartier, où est-ce qu'on les retrouve? Ah, évidemment, c'est sûr que c'est la rue principale là, où nous sommes en ce moment. Parce qu'il faut se souvenir que la rue Saint-Patrice, c'est très intéressant, à une certaine époque, c'était le chemin de fer. La rue Saint-Patrice était c'est ça, une partie du chemin de fer. C'est-à-dire que le chemin de fer passait derrière la rue principale, là où il est en ce moment. Il longeait la rivière Magog, mais une fois qu'il arrivait dans ce qu'on appelle, encore une fois, le bas de la ville, il bifurquait par la rue Saint-Joseph, ce qu'on appelle aujourd'hui la rue Saint-Joseph, parce qu'à l'époque, ça n'était qu'un chemin de fer, Sainte-Marie, et puis allait rejoindre la rue Saint-Patrice, et puis là, longeait ce qui deviendra éventuellement le chemin de la Dame, donc le chemin du barrage. Mais il faut se souvenir qu'avant 1897, ça n'existait pas parce qu'il n'y a pas de barrage. Le chemin de fer va rapidement être modifié pour emprunter le tronçon que nous connaissons actuellement. Mais pendant une période de temps, c'était ça. Alors, tout le quartier vibrait quand le train passait. Là, c'était vraiment, comme c'est le cas encore aujourd'hui, d'ailleurs, il faut le dire, là, il divise littéralement le quartier ouvrier en deux, le chemin de fer. Thank you.
Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.